William Chanet ici, bravo. Roxana, regarde, tu vas être à côté de Odette, ici, mon cœur. Odette, elle va se mettre là, avec une chaise. Là, les super-héros sont cachés. Je vais voir si j'entends les super-héros arriver. Écoute avec moi, avec tes oreilles. Oh! J'entends les super-héros. Est-ce qu'on ouvre la porte? Oui. Bonjour les amis, je m'appelle R.C.Toumi et je suis le super-héros des Barlego. Et moi, je m'appelle Arsena, le super-héros des boîtes à jus. Nous sommes ici pour vous présenter un super film sur le recyclage. Oui, sur le recyclage. Oui, sur le recyclage des Barlego de lait et des boîtes à jus. Recycler, ça veut dire qu'on ne jette pas la boîte à jus ou le Barlego dans la poubelle. On le met dans le bac de collation et Muriel les envoie dans une usine où on les transforme. On ne les place pas sur la terre. Qui peut me dire que l'on fait pour recycler un Barlego? Tu peux lever la main, les amis. Comment on doit, qu'est-ce qu'on doit faire pour recycler le Barlego? Oui, Michael. On écrase. Première chose, c'est vrai, on peut l'écraser. Première chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Oui, Bénédicte. On enlève la paille. Bravo, on enlève la paille. Est-ce qu'on laisse du lait dans le Barlego? Non. Non, on le boit. Au complet, on enlève la paille. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire? Lève ta main. Écraser comment, Mandisa? Avec quoi? Avec les mains. On peut faire avec la main. Oui, ils l'ont dit. Alex? Avec les... Oui, Alex? Avec le coude. Le super coude, on le fait. Super coude. Avec quoi, Simon? Le pouce. Super pouce. Bénédicte? Les deux mains. Et les deux mains, hey, vous êtes bons, on fait, des affaires de recyclage, on s'occupe de plantes, on fait du compost. Okay. Et deux bacs en haut. Les amis, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on leur a donné à manger, nous, nos vers de terre? Des carottes. Deux pommes. Des pommes. Et des fruits. Des fruits, bravo. Des bananes. Des bananes, bravo. Des légumes. Des légumes. Oui, allez. Des boulures de patates, bravo. Et regarde, et là, il faut qu'ils creusent leur tunnel jusqu'à la nourriture. Tout ça évacue.